You ready for that, boy? Jungle and dance more. All right. Okay, we're gonna dance together. Two steps on the east and two steps on the west. See? That's the way we go do it. Everybody. What? Law. Southern. Ready, my selector. Give me the track, boy. Give me the track. Okay, Berlin, are you ready? Berlin, are you ready? What up? Are you ready? What up? Are you ready? Okay. Nobody. Gerald for goodbye. Ready? Everybody. C'est une évidence, c'est une affirmation que le rap est né en Afrique, a grandi hors de l'Afrique, d'où le dernier titre de notre album Boomerang, qui juste dit que le rap est parti de l'Afrique avec l'esclavage, a grandi dans les champs, a suivi plusieurs son processus jusqu'à devenir du rap aujourd'hui aux États-Unis. Passé par l'Europe, il revient maintenant en Afrique. Le rap a ses ancêtres. Par exemple, tu viens au Sénégal, tu as des styles comme le tassou, qui est la spécialité des femmes sénégalaises. Il y a aussi le bakou, qui se fait dans l'arène, dans la lutte traditionnelle. Il y a le kébétou, qui est un style très rapide. Il y a le Tahoran maintenant, il y a ça maintenant, nous, en tant qu'Africains, on récupère. Pour nous, c'est un moyen de combattre certaines injustices. On combat pour l'Afrique et la corruption, ça peut être le chômage des jeunes, ça peut être l'image négative qu'on reçoit de l'Occident. Ça a un concept défini. Dans le rap, il faut être engagé. C'est un mouvement qui est né pour dénoncer. Et moi, je suis carrément rebelle. Quoi. Nous faisons aussi part d'une vision approfondie de la société africaine et sénégalaise. Donc nous nous considérons un peu comme des caméras fixées sur la rue, fixées sur tout ce qui se passe en Afrique, pour pouvoir après refléter cette image et en parler aux jeunes. Quelle parole tu aimes plus? Capsi, parce que j'habite à Sikap. Eliyale de Daradji. Elle est number one. Daradji, number one. Et aussi Gotti's one. Esperanza. Uh-huh. Esperanza aussi. Ah oui. Toutes leurs cassettes en général. Elle est Frying Up. Et Frying Up aussi. Frying Up. Frying Up de Daradji. C'est trop bien ce truc. Ah, oui. Et surtout le clip. Uh-huh. Elle est plus colorée. Face aussi. Elle est plus ils, sont, oui. Ils sont plus instruits que les autres rappeurs. Ah. C'est vrai que moi je suis Roman quoi. Roman? Yeah. Non, c'est, le rap c'est une musique pour les jeunes? Oui. Oui. Seulement pour les jeunes? Et pour les grandes personnes aussi. Il y a des. Par exemple, moi ma mère, elle aime le rap. Ah oui? Non, il y a Bilal, il faut pas que rap.
Nelly Boy. Oui. Bon, mais j'aime ça parce qu'ils disent des vérités, quoi. Des choses qui se passent dans le pays et qu'on ne peut pas dire directement comme ça. Ils disent ça à travers des clips de rap, quoi. Dans les autres musiques, ils parlent que d'amour. D'accord. Oui, dans on parle d'amour, de sexe, tout ça. Mais dans le rap, on parle que de la vérité. Les Américains, eux, ils parlent de sexe, ils insultent sur la télé. Non, ça c'est bizarre quoi. Je ne fais rien. Très bien. Les Américains sont des cons. Le rap, il parle surtout de l'incorruption. Oui. Il parle aussi de l'incorruption. Tu peux dire que le rap, vous pensez, comment tu peux dire ça? C'est les rappeurs être pour changer la société? Oui, le rappeur, il joue un rôle dans la société. Parce que les rappeurs, comment je peux dire ça? Les rappeurs, ils disent ce que les gens ne vont pas dire. Quoi. Ils disent ce que les gens cachent. Les rappeurs aident aussi pour le développement du pays. Oui. Parce qu'ils disent la vérité, ils font des critiques. Et à force de faire des critiques, le président va trouver des solutions, quoi. Il y a certains qui disent que c'est brutal, mais peut-être je pense que c'est une révolte. Les jeunes, peut-être, ils se sentent un peu à l'écart. Bon, ils ont peut-être la seule manière de s'exprimer, c'est à partir de la musique, le rap. Ils vont s'exprimer, montrer leur mécontentement sur le fonctionnement de la société et d'autres choses. C'est un message qu'ils vont essayer de faire passer, parce que chacun a son entendement. Ils vont essayer de faire passer leur message à travers le rap. En fait, je ne sais pas. Les uns pourront écouter le rap, comprendre rapidement, voir que là, c'est le mécontentement qu'on s'exprime. C'est ça, parce qu'on est un peu, on est mis en quarantaine. C'est pas très normal. Aujourd'hui, c'est un festival. C'est un festival international. Par Africa Fête, CCF. L'initiateur DJ Awadi a organisé le festival pour réunir tous les rappeurs sur un même micro. Oui, c'est un festival international parce qu'il y a des invités qui nous viennent de la sous-région. Il y a l'AT qui nous vient du Tchad, il y a le Densol Master qui nous vient de la Gambie. En fait, il y a le Tata Pound qui nous vient du Benin. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps.
Alice, bo xamantene ay garab ñu ngi waron jox les gens qui sont malades du sida ay domero diko détourner. Yes aya xamane la bëgg gaay ñu wax tay il faut ñu wax ko goor bi fu mu mënti toll est-ce que mini palais instant parce que bo dafa tukki Sénégal bu fekkene tane mini fi il faut ñu nekk si ça ne change pas ça va péter. Ça va péter.
Le rap a eu de l'importance parce qu'il y a une liberté d'expression au Sénégal. Et donc, à cause de ça, les jeunes ont commencé à dire ce qui se passait dans les maisons, ce qui se passait dans la rue, ce que les journalistes n'osaient pas dire, ou ce que les musiciens du Mbalax n'osaient pas dire, c'est le rap qui l'a dit. Le prochain groupe qui va monter sur scène, c'est son tout premier spectacle, grand spectacle. C'est la première fois qu'il monte sur scène. Ah bon? Oui, c'est un petit groupe. Mais faites du bruit pour ce petit groupe, parce que petit groupe deviendra grand. On a pas trop de problèmes de public parce que notre show, que tu comprennes la langue ou pas, tu dois pouvoir le sentir. C'est important pour nous de faire ressentir des émotions dans le spectacle déjà. Donc c'est clair qu'au Sénégal, on a le public qui comprend chaque mot de ce qu'on dit, donc c'est de la folie. The newsletter, Senegal, qui fait ça? Senegal, c'est Africa Fest. Africa Fest? C'est son tutoriel français et Taftafo comme. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? 821. Qui moi? Ça, c'est quoi? Ça, c'était le concert de Pifrois au Centre culturel français. Ouais, c'est santé. Lors de leur anniversaire. C'était quand? C'était le 14 février. Jour de Saint-Valentin. 43. C'était bon, le concert? Ouais, c'était extraordinaire. C'était superbe. C'était superbe. Franchement, c'était super. C'était extraordinaire. 500? Bah, je fais partie du groupe Da Brands. Yeah, my name is Bahao. C'est un ami, lui. C'est un frère en quelque sorte. Partie, voilà, il fait partie de la famille. Là, je m'en dépasse. C'est le troisième de Pifrois. Le troisième de Pifrois, il est là-bas. C'est le gars qui est habillé comme un professeur de musique. Là. Non, mais lui, il connaît déjà les deux. Quoi. C'est le troisième. Ah, yeah, ok. Moi c'est Khouman, je suis rappeur, animateur à la radio, je viens de la radio comme ça. J'avais avec mon sac de CD, ouais, t'as vu, t'as vu. Là. Waouh, waouh, Khara Alenyo. Yeah,
En Afrique de l'Ouest, à part la Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de pays où il y a des structures, studios, tu vois, où tous les jeunes peuvent. Sinon, les autres se débrouillent. Je crois qu'on est quand même une référence au Sénégal, parce qu'on a fait 10 ans. Déjà ça, c'est au plan national, c'est une référence, parce que beaucoup de groupes existent. Après une cassette, ils disparaissent. Ou bien beaucoup de groupes existent, ils se font nom, mais ils n'ont jamais eu la chance, ou ils n'auront pas jamais la chance de sortir un produit. Ça, c'est notre Côte d'Azur, quoi. Ouais. C'est la plage où on a vécu, on est né dans ce quartier. On a vécu dans cette plage. Et c'est comme ça, là où on a grandi, là où on a joué avec, là où on a commencé à faire du rap. Là où on a joué avec nos potes, là où on a perdu des potes, tout ça. C'est là, quoi. C'est ouais. La plage Tripano, comme son nom l'indique. Ouais. Le groupe, tu vois, il a commencé depuis... Ciao, le groupe, c'est... On a commencé à rapper parce que nous, trois, on était trois jeunes. On va y aller dans... Turbulent, comme on dit, dans le quartier, quoi. Ouais. Par exemple, lui et son frère jumeau, nous, on a grandi ensemble. Il y avait leur maman, quoi, qui nous encourageait sur tout ce qu'on faisait. Par exemple, lorsque le rap est arrivé ici, nous, on ne faisait pas de rap, quoi. On faisait de la danse. Danse, tout ça. Break dance, quoi. Et après, lorsqu'on partait souvent sur les concerts, voir d'autres groupes comme PBS, qui est ici le plus grand groupe du Sénégal, et Daradji, tout ça, on avait des idées, quoi, sur ça, quoi. On a commencé à faire du rap comme ça. Ici, il y a un problème, quoi. Par exemple, moi, je dis que le seul problème qui nous empêche d'avancer le hip-hop sénégalais, c'est les matériels. Ouais. Le rappeur sénégalais a du talent, on sait. Ouais. Il a des choses à dire, il a des choses à encore apporter aux gens. Mais ce qui manque ici, c'est le talent, la production, quoi. Mais ici, on force pas, quoi. Par exemple, si on n'a pas de matériel, pas de production, ce qu'on peut faire seulement, c'est de rester... Ouais, faire du hip-hop, comme on fait, faire des instruments, enfin, jouer sur la guitare. Des instruments que tu disais, des instrumentales qui ont été créées par les Américains. Déjà créées par les Américains, tu vois. Pour l'instant, je vois un peu de changement. Un peu parce qu'il y a des DJ qui se font ici. Il y a maintenant des studios. Si tu pars à Dakar, ici à Mbour, il n'y a pas de studio. Nous, pour enregistrer, on part à Dakar. Mettre ça sur des AT après tout ça. Le ressortir sur une cassette. Ouais. Par exemple, ici, pour faire. Pour apparaître sur un studio, c'est un peu cher. Par exemple, comme moi, on est chômeur. On ne pose pas assez autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Dans
je dis oh, et tu me parles d'eau. Au contraire, je te montrerai un point plus photo. Rigolo comme un pro, avec des stupid rimes. Regardez le film comme un train, et poche les histoires du crime. Hey yo! Je suis prêt pour la corps. Si tu es d'accord, MC, est-ce que tu es d'accord? C'est plein comme le gars pour le new style. Real bar, rouge, wesh, wesh, les gars. Je plein comme le gars pour le new style. C'est real bar, rouge, wesh, wesh, les gars. Et yo, wesh, wesh, les gars. Yo, wesh, wesh, les gars. Moi je disais même, est-ce que ce n'est pas le pétrole de l'Espagne qui s'est retrouvé sur nos côtes là pour tuer ce monde? On doit mettre un son là sur ceux qui tuent nos, comment dirais-je, nos oiseaux. Parce que ça ce n'est pas normal avec le pétrole là qui s'est, comment dirais-je, le bateau, le naufrage qui s'est eu là-bas en Espagne, là, sur les côtes de l'Atlantique, ça pourrait arriver jusqu'à chez nous, c'est possible. Est-ce que ce n'est pas ce pétrole-là qui a tué notre oiseau? On ne sait pas. En fait, c'est comme ça, tu vois, parce que nous avons découvert le rap, tu vois. On a vu que tous les gens qui font du rap, ils font du rap avec des instruments, tu vois, plutôt américains ou américains, du moins, man, et français, tu vois. Nous, on veut faire ça, mais on va mélanger ça avec ce qu'on a, notre propre culture, quoi. Qu'on a, quoi, tu vois. C'est ça, quoi. Ouais. Bref, les thèmes, ça varie, quoi. Tu vois, on parle de notre culture, on parle de l'éducation pour les jeunes, tu vois. Les jeunes, comment ils vivent en ce moment dans le monde actuellement, tu vois. Européens, Américains, ils sont devenus, c'est devenu une industrie. Chez nous, on est encore, c'est assez artisanal. On n'est pas encore arrivé à l'industrie, on peut vendre des millions de disques. Donc, mais on se bat et on fait notre différence dans la musique. Parler un peu du rap, quoi. Mon nom c'est Yeshikat, je suis rappeur sénégalais, j'habite à Hambourg et puis je fais du rap hardcore, quoi. C'est que la vérité est noire sur blanc, quoi. Que tout se passe bien et puis que les gens nous écoutent, quoi. Essayent de voir de comment on pense, quoi, et puis comment on essaye de faire développer la société, quoi, en quelque sorte, quoi. Le développement, quoi, parce que le rap pour moi c'est le développement, quoi. Développement d'esprit et développement surtout, quoi. Bah, bien sûr, ça se développe petit à petit, quoi, parce qu'avant, il y avait des groupes de rap, et bon, ils ont sorti une fois album, deux fois, bof, et puis on ne les entend plus, quoi, parce que c'est des gars, sérieusement. Pourquoi cela? Pourquoi cela, quoi? Pourquoi on ne les entend plus, quoi? Moi, c'est parce que aussi, le système, ça ne marche pas peut-être aussi au niveau de Mbour, parce que les gens, ils n'achètent pas assez de cassettes, mais ils aiment écouter les rappeurs et tout ça, quoi. Mais tout ça, ça fait un recul sur le budget de notre pays, quoi. C'est-à-dire que les jeunes, ils ne travaillent pas, quoi. Ils gagnent pas, ils n'ont pas de salaire, ouais. Donc ils n'ont pas 1000 francs pour acheter une cassette, quoi. Mais il y a des gens ici à Hambourg qui ont des idées et qui n'ont pas encore la chance d'avoir une cassette sur le marché, les moyens qui manquent déjà. Donc il n'y a pas de producteurs, ça nous manque. Et en plus, il n'y a pas des agents, quoi, parce qu'il faut qu'il y ait des agents. Pour le rap sénégalais, quoi, je dis pas Hambourg, quoi, mais le rap sénégalais, qui sortent dans des régions comme ça, voir, quoi, parce que sérieusement, il y a des jeunes à voir, hein. Et sérieusement, des très bonnes idées.
freestyle. Ah, mais c'est comme tu veux, comment je vais te faire un rap impro quoi. Sinon, d'ailleurs, bon, sinon, dans mes rap tambalé, tu vois, non, dès que Jolof, Boulkhof, Chikat, rap, non, Jolof Sangé, Big Boss, rap, de moi, Nike Boss, y'a que tu es host, Joss, y'a, il me dit, c'est une fille du top de dal, Mikey, Andak, la dal, y'a une side boy, mais host, de moi, Hamza, Fan, la chobe, que ne mette, du sas, ma chobre, mais rap, moi, mais one life, moi, mon jilni, moi, yon boulet, moi, mon. Teke live di mo won sino sa dama impro yene sa may calé sama bir may non dama calé ci son bu yakar ni munu ma sa impro ñaata fek MC la fi hot senta tarret fi ci mbour MC baye ko Dakar di ñew eh man ma ngi li eh sama life xone yow suma xey am fu ma jam dama yor grand place dox ba nga xam lepp ngi takal sa tok grand place bu lo ma mariage ni ko waral am part am place bu ciol ciol amé duma saña kaas ndax nak bu change ak lal bass gëna manu grand as ko rek dama nan tuggu na doon yam na war nak fu xaar nak wayan yaqa dane la te baga fi ma sen wakante boy bo xamone ni ma xade ro sama bir galé bu ma ne teul sama paré commencé ma artalé yow yow check down eh yow eh xumaana ngi mu ngi duggu fi legi male xumaana yo represent xolal baax fi takar rabe mo ngi ci bi ay jaze eh yo ma deg ñaari mc yu laal sama diwanu mbour xam ngeen li ngeen bayyi saint town mo gëna salté li na mbour da ngeen di wot ay accord ngeen ko ay cor a cor ngeen ben bis dama jogge mbour di dem town bima yegg te jam ñaajo lama bakari commencé xéñ mu melni nit ku demo may xéñ demo may xéñ de mo ne ciop ma katu charo bo dof dof lo dañ lay ray ma takku su may debas yow boy ni ñu dara dañu bëgg ñi. Yeah, merci, merci, merci beaucoup. Ok. Check it. Merci, 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 merci. On est là, très tranquille, dans notre coin, et on fait de notre mieux pour faire avancer le hip-hop au niveau du Sénégal, pour que ça soit du hip-hop international, pour que le hip-hop sénégalais soit connu dans le monde entier, quoi. Pour que le Sénégal devienne, pourquoi pas, le premier pays de rap dans le monde. C'est
like it. Hip hop forever. Yes, yes, yes. This is black style, yo, black style. Le gars qui fait du rap afro au Sénégal, parce que je dis toujours que, par exemple, nous les rappeurs africains ou sénégalais, on doit avoir une différence par rapport aux rappeurs américains ou aux rappeurs européens. Tu vois, parce que nous aussi, on a nos sources de tradition. Il faut être original à ce que tu fais, quoi. C'est pour laquelle moi, je me bats toujours sur les de s'inspirer sur ma source de tradition, d'essayer de colorer ma musique avec les instrumentaux traditionnels qu'on a. Et ça va, ça me pousse, quoi. Je suis à ma deuxième production. Et ma deuxième production est carrément rap afro, parce que tu trouves que de la variété africaine. Je prends le rythme, par exemple, du mandingue et je fais du rap. Comme je peux prendre le rythme en wolof et comme tu peux prendre le rythme du mbalax et je fais du rap dedans. Parfait, elle représente quelque chose dans ton quartier, tu vois. Et cela m'a permis quoi, et cela m'a donné, mon ami, et cela m'a donné par exemple du courage et tant d'autres trucs. Et je pense bien que depuis là, ça faisait longtemps, mais toujours ça marchait, et toujours c'était des choses qui allaient quoi. Ici c'est le grand digueur de l'autre quartier quoi, tu vois. C'est moi Maktou. Yo. Macar le bourreau noir. Hey, yo, hey, yo. Je te présente yo, mon ami Black Star. Lui yo. C'est Mokou, c'est Mokou le bourreau noir. Noir. Yo. c'est un grand ami quoi. Il fait beaucoup de choses pour Black Star quoi, tu vois. C'est le DJ ici, c'est lui qui, comme je t'ai dit tout de suite, c'est lui qui distribue les cassettes. Il a presque toutes les cassettes d'arabe ici. Au Sénégal c'est comme ça par exemple. On n'a pas des stackers comme en France. Là où on va, par exemple, des grands magasins de shopping. Et eux aussi, c'est des rappeurs, hein. Mais lui, son rap, c'est entre aimé, quoi, en fait. Son rap, c'est le houdé, quoi, n'est-ce pas? Par exemple, les chaussures, si tu as des chaussures qui sont déchirées ou pas, tu viens ici. Mais lui, il fait son propre rap. Mais il est en train de me dire que c'est bien. Mais il est en train de me dire que c'est bien. Mais il est en train de me dire que c'est bien. Il y a beaucoup de groupes, des rappeurs en quartier, des jeunes. Oui, il y a beaucoup de groupes, mais celui qui nous représente nous tous, parce que c'est lui qui est notre grand frère. Hein? On va passer sur leur pied pour lui. Il fait tout pour nous faire évoluer dans ce mouvement. Les rappeurs, ils chantent, c'est quoi? Oui, ils chantent parce qu'ici on fait le rap, mais pas le rap dur. Parce que le rap dur, on n'a pas encore. Venu dans ce niveau-là. Parce qu'ici, on fait le rap traditionnel. On fait participer avec des instruments traditionnels comme le kora, le balafon, c'est pour cela. Et les paroles, quelles sont les paroles que les rappeurs chantent? Ici, on parle les paroles qu'on vit dans notre société. Oui. Toujours, on parle comme sur l'Afrique. Oui. Et les guerres, l'actualité qui se passe ces temps-ci contre l'Irak. Oui. Et les États-Unis, tout cela, on parle de ça. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, nos frères, on parle de tout ça. Même les problèmes des étudiants, tout on parle. Et les problèmes que nous vivons ici dans notre quartier. Comme les problèmes avec les autorités. Eh,
nek neub nermelu ben ñaar dak ñaar ñet dak ñent Charlie, Charlie. Man fepp fu xaliss amul man dama fa sax taxawal man may black star jol bu choxe rofe dore ni wax ma ñata mayek la fi xar gat ci Senegal wax ma ñata geew la fi deggal len ci Senegal Yeah, original man jago mendi sans pitié ana am ci doon demu demulu ma ngi ni sen repé kep ki fi jaay ban bi nga xam may original man jago mendi sans pitié ma wul joy yow ton vendeur d'orange la ti le vendeur le hepatite dang ma ubi sama nek ubi ma sama nek C'est le fils de ma grande sœur, Papa Nyeye. Voilà, c'est ici que j'habite. Et puis que j'ai commencé, par exemple, tout ce que j'ai fait, quoi, comme musique et tant d'autres, quoi. C'est mon père qui est en train de prier. C'est lui seul en ce moment qui m'a accepté. Parce que c'était dur ces moments-là. Bon, elle, c'est ma mère, quoi. C'est elle que je chante dans mon morceau-là. Elle que je dis, bah, Bakar, vous, Njoba Diagne, Black Star. C'est elle, ma mère, quoi. Vous pensez que le rap est important, la musique de rap, c'est important pour aujourd'hui? C'est important, c'est bon. Voilà, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de votre fille être une rappeur hein? Mon petit. Oui. Il faut être bon rappeur. Il faut être bon rappeur. Tu travailles bien. Oui. Tu aides de la famille. Oui. Alors, maintenant. Quand je suis parti en Europe, je suis parfaitement d'accord. Oui. Pour essayer de travailler. Si tu veux l'amener, vous pouvez l'amener. Allez. Ok, ici c'est ma chambre, c'est mes trucs. Tu vois mes trucs avec eux. C'est pas mal des trucs comme ça, des photos de pas mal. Ça c'est mes photos, ça c'est des émissions que j'ai participé à la télé quoi. Là-bas c'est mon livre que j'écris les textes, des trucs comme ça. Ouais, man, donc pas du meilleur. Ça c'est mon. C'est ça que j'appelle mon bouquin quoi. Tous mes textes c'est ici. Chaque nuit j'écris. Tu sais, avec ça tu ne peux pas dormir la nuit quoi. Parce qu'à chaque fois moi j'écris jusqu'à 6h ou 5h du matin quoi par jour. Donc avec ça c'est difficile de dormir la nuit quoi, tu vois. Mais ça reste encore. Et toi aussi, viens ici. Waouh. Black Star, le chef ici encore.
Allez. Yo, what up, boy? Bon, bien, on est fait. Il est excellent, il est bien, quoi. Pas de problème. Yo. Anafal. Ouais, mais qu'est-ce que tu prends? Ok. Tu peux venir, hein? Ah, c'est bon. So good. Fire. C'est bloqué. Pour me présenter. Oui. Double présentation. Pour rien. Yes, sir. Pour me présenter. Gaï. Il faut parler français. Bon, mon lui, mon doux, présenter, lui, mon c'est Black Star. Boy, présente, boy. Man, quel chaos, boy. Beaucoup de lumière. Peu plus de lumière. Boy, quel. Allumez les lampes. Bon, présente la Jotaibi. Bon, lui. Présente le groupe, quoi. C'est le groupe 23-3. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, nous sommes jobs ensemble, on est ensemble, on travaille ensemble, quoi. On est du même groupe. On est des amis depuis. L'enfant, bon. Bon, je crois que bah, c'est ça l'introduction, quoi. L'essentiel. Quoi. 23-3 est composé bon, de deux rappeurs, mais 23-3 aussi c'est un crew. Il y a des gars bon, qui font du graffiti, c'est-à-dire comme vieux. Il y a des gens qui, bon, côté son, là, programmation, c'est Alphaya. Le reste, c'est le staff. On travaille ensemble. Avec les tests, on travaille ensemble. Il y a un vampire là. C'est ça quoi, donc. Bon, en conclusion, c'est ça le groupe 23-3 quoi. C'est combien de personnes? Combien de personnes? Bon, c'est 15 personnes quoi. Bon, X, mais 23-3, bon, il n'y a pas de limite quoi. Oh oui. So, mais vous avez des concerts ou vous avez été des concerts? Oui, bon, on a fait des concerts. Yeah, on a fait des concerts à Grayoff, on a fait des concerts au Parc Zasseni. Bon, on a fait à Liberté 6, on a fait beaucoup de concerts quoi. Oui. Avec 15 personnes. Ouais, avec 15 personnes. Oui. Oh, ouais. C'est comme le Wu-Tang Clan. Hein? Oui. Ouais, nous sommes des rappeurs sans cassette et puis sans maquette. On fait notre playback, on fait nos morceaux en live. Et puis on n'a pas beaucoup de moyens, on essaie de se débrouiller comme ça. Oui, oui. On est des rappeurs d'accord. Qui sont dans le quartier sans moyens. Oui. Et puis on se débrouille. Oui. Mais je crois que nous sommes les meilleurs rappeurs du monde. Ah. Ouais. Yes, ça, yes, ça. On est les meilleurs rappeurs du monde. Okay. Yeah, without man. Boy, don't go into the big boss. Don't let big boss. Check it out. Boom. Yo, yo, yo. Hey yo, kafal so moi ki doctor yu bare yu rebengir kisko bugu hall ban fe ba mu rapo kadal dah lumu def da fa jafe ni visa passport yengi San Francisco. Hey, tell him away and let's try guns ne hal bat no Cisco. Fumu jana ni Cisco, microbina MC banya mu Cisco, rhymes ita career disco. Hey yo boy disco, nu mu nai se gentle ni ben a boy disco. Mot fumu rambu geli disco, dah bad a taxi sound or kelly ni petrol dan disco. This boy, so horo lo, tachiko, welisco, tabal dan nyangi lo rap a bisco for real. Yo. Yeah. Yo. Yeah. Yeketil Salojo, MC, Deglu Alfaya de Fodonlu Am Solo, Romal, Yegloko, Eyo Mindarte Holo, MC, Yang May Deglu Yomi Sambajelo, Sama Lyrics Ngoko Satunarte Hamgaboko, MC, Bang May Deglu Yomi Sambajoto, Quiz Kaljan, Bang May Deglu Balegi Majoto, MC, Ukojima Sekang Mandarte Mono, Mono, MC Black Star, Yepoel Nigga. Yo, yeah. Man. Non mais, non mais, tu vois, je veux dire quoi. Voilà, il y a la balle. Yo, yo, yo. I'm so weird, check it out. Je veux dire, des groupes comme PBS, Pifras, Daradji ont commencé, ont eu du succès, ont commencé à tourner à l'étranger. Ils ont signé dans des maisons de disques. Ça inspire les jeunes derrière. Et comme il y avait une grosse crise de l'emploi, donc voilà, les gens se sont dit on va chercher du boulot là où il est. Et facilement, on peut devenir rappeur, on peut commencer à voyager, on peut avoir de l'argent, on peut être une star dans son quartier, dans sa ville. Donc voilà, c'est pour ça que ça a inspiré beaucoup de personnes et ils ont fait la même chose que nous. Alphaya, boom! World Soul! Yes, Pico, the world! Docteur Lamine. Docteur Lamine. Ça, c'est le docteur, l'homme en 32 mètres.
Ça, c'est notre génie. Elle a 32 minutes. C'est notre grand frère. C'est notre génie. Je ne suis pas le grand frère de tout. Ça, ça, ce sont mes femmes-là. Ce sont mes femmes. Elles sont toutes mes femmes. Elles habitent dans le même quartier. Et on a beaucoup de rappeurs, on a beaucoup de chanteurs qui ont le talent, mais qui n'arrivent pas encore à réaliser quelque chose à l'extérieur. On a besoin d'internationaliser, je peux dire, notre travail. Kong Kong. Tu n'avais pas vu comment je suis grand, j'ai failli être basketteur. Ah oui, oui. Il a raté sa préparation. Ah ouais. Tu joues? Je joue souvent au basket, oui, mais pas professionnellement, quoi. Non. Je joue comme ça pour m'amuser seulement. It was in Cologne. Oh, that was nice. That was nice. Too nice. Yellow. My friend will not eat, and some infamous friend will not eat. Well, gonna lesbian, I'm gonna preach. Cause we not promote them, we not support them. Gun back friend will not eat. See the police come show we are not eat. Well, friends we are gonna will not eat. Normally it's a normal market, but it's a black market. You can have whatever you want. Half price, on en tout, everything. Il y a des chaussures, habits, des livres, des appareils, de voitures, il y a tout. Ouais. C'est le quartier, c'est un quartier chaud aussi quoi. Si tu voles quelque chose, when you steal something right now, you can come straight and sell it here. Wow. Le plus cher, c'est trop cher. Non, c'est petit. Moi, je suis gros. Moi, je veux le gros. Non, c'est petit pour moi, c'est petit. Je vois. Moi, je fais 2 mètres. C'est comme ça. Hey sister, follow sister. Hey sister, follow sister. We must go follow sister. But me, I'm just. La lettre, c'est une mère qui écrit une lettre à son fils pour lui expliquer la situation parce que la mère a été violée par son père, son propre père. Donc l'enfant, c'est en même temps son fils et son frère. Et il ne pourra pas garder l'enfant parce que tout simplement, il lui rappelle de mauvais souvenirs. Donc, il a préféré envoyer l'enfant dans les maisons de sœurs. Et voilà donc, après, à la fin de la lettre, elle se suicide. Allez,
They need me to help them, you know, to shoot them the way and stuff like this. It's nothing very special, but it's just like I can bring them my experience in what they are doing. Oui, tu peux pas lire. Je vois. Ba wat bok na ci la ngay xem zero ba wat second ku sa ci do sa ke sa wa sa torna gele wa gëmal yalla gëm sa bop da rek gele wa yeah yang yang nak sa bop gëm 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 to buy gëm check check gele gëm gëm Edna pour les mélodies ça reste le texte ouais ça reste beaucoup 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 ça reste ça et ça. Ça, c'est grave, c'est italien, c'est espagnol, c'est... Tout couleur, Olaf, tout. Voilà, tout couleur. Allemand, hein. Tout. Moi, je... Ben ouais, comment il assure quelque chose comme la direction artistique, quoi. Mm-hmm. Il est là pour donner des conseils, des critiques, parce que là, nous, on ne peut pas se critiquer nous-mêmes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour nous dire ça, ça, ça va pas, ça, ça va. Donc c'est le rôle de Roman dans cet album-là. Es ist jetzt meine Arbeit mit den Mädchen zusammen, das gut zu begleiten, dass sie eben nicht da entweder vom Höhenrausch kriegen, auf dem Teppich bleiben, dass sie gut arbeiten. Also ich bin, mein Beruf ist ja auch Produzent sein, ja. Und das tue ich dann. Die Gruppe Alif hat einen Mythos, sie ist ein Mythos. Warum? Weil sie ausgebeutet wurde, weil sie, ja, weil sie wahrscheinlich nicht gespielt haben, ganz sicher sogar. Es sind Mädchen, es ist eine Rapband aus Afrika, das hat eben was Spezielles und ich denke, da sind die Leute einfach interessiert. Rap ist im Grunde eine Ausdrucksform, die besonders interessant in einem islamischen Land ist. Man muss sich vorstellen, dass die drei jungen Mädchen natürlich ein Novum darstellen. Zum einen sind sie die einzige weibliche Rapband, zum anderen sind es Mädchen, die, wie gesagt, in einem islamischen Kontext auf eine Art und Weise, wie sie ja aus den Vereinigten Staaten gekommen ist, ihre ureigenen Probleme singend und rappend einem großen Publikum zur Verfügung geben. Und das ist eine Melange, die unglaublich interessant ist, aus meiner Sicht. Madonna mia! Mina, oui. Où on va? On va chez Myriam. Ah, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ah, mais on va faire la même chose, hein? Myriam. Ah, c'est la même personne? Oui? Oui, c'est la même personne. Tu ne le savais pas? Ah bon? Moi, je pense que ce sont trois personnes. qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va discuter avec les parents. Discuter quoi? Discuter de la permission. Quelle permission? Permission de la musique pour que les parents nous laissent aller habiter chez Estibot. Ah, pour faire là-bas des sons quoi, rapidement. Okay. Oui, parce qu'on n'a plus de temps quoi. Après, vous êtes populaire. Ils ont fait, on a fait un documentaire. Dans cette magazine. C'est la musique africaine. J'ai déjà vu ça. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà, avec les photos, avec tout Dakar, avec les rappeurs et tout.
Et à cause de ça, on a fait une invitation. Et bon, on va partir là-bas pour 12 jours. On fait un tour en Allemagne, Autriche et Tchécoslovaquie pour 12 jours. Pour ce présent, on travaille maintenant au studio. On va partir ensemble. Ici, invitation, confirmation. Même le président d'Allemagne va être là. Qui est calme, comment? Ce que je veux, les filles sont tous chez nous et restent là-bas pour les 3 semaines. Parce qu'on doit travailler chaque jour. Et bon, là à la maison, on a beaucoup d'espace. On a besoin de travail. Sinon, il y a toujours le problème de transport, d'organisation, d'appeler là-bas, appeler là-bas, appeler là-bas, c'est pas bon. Même le matin, je l'ai dit 10h, elle est venue 11h. Moi, j'ai rendez-vous à 11h. Hein. Des trucs comme ça, vraiment, ça dérange le boulot, c'est pas bon. Et elle ne pourra pas aller à l'école. Parce que j'ai le temps de faire. Elle s'est enregistrée, mixée, répéter le concert, répéter le spectacle, pour faire son bonheur. Quand tu as demandé de nous citer? Non, c'est pas facile, je sais. Mais en tout cas, toute cette affaire-là, je trouve que c'est très positif parce qu'on a une invitation, ils payent les billets, ils payent les hôtels, ils payent l'argent. C'est une grande chance pour les filles. C'est une chance de progresser. Et si ils laissent l'école pour quelques semaines, ça ne veut pas dire que tu laisses tout. Mm-hmm. Après, tu... Je peux pas dire ce que tu dois faire, mais je peux te dire on a besoin de toi au studio. Ça c'est clair. Si tu viens pas, ça va pas. D'accord. Est-ce qu'on doit venir pour moi? Je suis en train de faire des studios. C'est ici à Yoff. Hein? C'est là à Yoff, à l'aéroport. À l'aéroport. Oui, on a une maison avec les chambres pour les artistes, un studio, il y a l'espace. Moi je crois que ma soeur elle connaît là-bas. Elle est déjà venue. Non, vous pouvez venir pour regarder, ça c'est rien, c'est pas un problème. Vous êtes bienvenue. Seulement, ça, c'est pas un amusement, c'est pas une petite chose là. C'est pas quelque chose pour sortir, s'amuser. Non, c'est un boulot avec, je sais pas, maintenant, on a 10 personnes qui travaillent avec Alif. 10. Mm-hmm. Et si on rate, c'est fini. Pour une bonne fois, c'est clair. En tout cas, là, en Europe. Mais si ça marche bien, c'est le début. Et vous voulez retourner toujours, toujours. Ça veut dire, ça, chaque fois, il y a plus de l'argent, il y a plus de succès. C'est une carrière artistique, mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Et les gens, ils sont très intéressés. Beaucoup, beaucoup. Donc là, je pense que c'est quelque chose de très positif. $900. Elle est d'accord? Je voudrais que vous reveniez pour trouver ici son papa. Mm-hmm. Pour parler avec son papa. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas le temps. Parce que vous n'aurez pas, hein? Pas le temps. De revenir. Non. Franchement, là, je suis venu pour parler avec vous, discuter avec vous, pour expliquer un peu. Mais vous êtes là, vous expliquez votre mari. Mm-hmm. Wow. So, c'est lourd, hein? Oui. Ouais. 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 Ouais
Bonjour. Bonjour. Ce sont les autres. Voilà. Ça va, madame. Non, madame. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire. Ok. Maintenant, tu vas rester ici pour quelque temps? Oui, on va rester ici pour 3 semaines. Pour 3 semaines? Que, oui. Tu fais quoi? On travaille. On travaille, on prépare un concert, une cassette. Ah. Un CD. C'est bon, ça? L'image, c'est bon? Hein? L'image. C'est bon? Oui, oui. Ah, c'est bon comme ça. Pose là. Bila, bila. Tu aimes? Oui, tu aimes? Oui. Bila. Oui. C'est estime. C'est comme ça, Dolberg. Estime. Dolberg, c'est comme ça. Gemlo ñu ay projet nepat ba tax ñu tok nepat ngeen net kaas ti dundé ñu mu ñafé contel pour créer bénéficence mo mu def ni yow nga def ci sama bëgg lool ba paré yow nga def yow c'est ci bo xamné yow ci dégage ak ci bi quoi ba pa melodie sang ba pa waxal rek waxal rek baax lu ci wess na ya xawé ñew na na xaru tis ñew jaxlé taxaw On regarde les débuts, parce que si à la fin tu n'es pas toujours avec la première piste, c'est bon aussi. So wie ich den Senegal kennengelernt habe und Westafrika einschätze, es ist sehr komplex. Natürlich sind es Frauen. Frauen sollen oft nicht ihren Mund aufmachen. Andererseits ist dieses Klischee von einer unterdrückten Frau hier im Senegal auch einfach nicht wahr. Das ist definitiv nicht wahr, denn es gibt viele Frauen, die verdammt laut ihren Mund aufmachen und sehr klar sagen, was sie wollen. Die Tradition greift zum Beispiel mitten in die Rapmusik. Also es gibt zum Beispiel Leute, um wieder auf die Männer zu kommen, die sind im Studio, die machen ihren Hardcore und gucken auf die Uhr und sagen, oh, wir müssen beten. Dann wird die Maschine angehalten, dann beten sie eine Runde und dann geht's weiter mit. Ja? Mit Beschimpfung. Okay. Und das ist schon, also man muss das erleben, um das ein bisschen nachvollziehen zu können. Und ich denke, dieser Kontrast oder dieses Paradoxe an der ganzen Sache, das, so geht es auch an Lief. Das wird sich in dem Moment verändern, wo die Mädels auf eigenen Beinen stehen. Das heißt zum Beispiel Geld verdienen können, was ja unglaublich wichtig ist in Afrika, dass man eigenes Geld verdienen kann. Das heißt, für die ganze Familie sorgen muss leider. Und dann werden sie auch respektiert. Also das, denke ich, hat hier, auch wenn es Frauen sind, die werden kein Problem haben, wenn sie eine Kassette haben oder eine CD oder Sachen, die Hand und Fuß haben und was bringen, einbringen, dann werden sie hundertprozentig akzeptiert von der Familie und unterstützt, da bin ich mir ganz sicher. Donc étudier et faire la musique, c'est toujours pareil. L'essentiel, c'est de gagner sa vie, honnêtement. Et la musique maintenant, les gens s'enrichissent sur la musique. Donc, que ce soit la musique, que ce soit les études, d'accord, c'est bien beau d'avoir des diplômes. Mais quand tu as des diplômes, c'est pour avoir de l'argent. Et si la musique rapporte de l'argent, c'est la même chose. Hein. Mais j'aime toutes les musiques. Hein. J'aime toutes les musiques. Donc, la musique rap aussi, c'est les paroles. J'en tiens compte des paroles. Et les paroles sont bonnes. Et c'est toujours le rap, c'est dire la vérité toujours.
parler de la vérité, ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est dire la vérité. Yeah.
So, da sind wir jetzt hier im Studio. Alif ist angekommen. Alif, das heißt, es sind drei junge Frauen aus Dakar, drei Rapperinnen. Alors, bienvenue ici, herzlich willkommen. Ich habe eine erste Frage, und zwar dieser Name Alif, was bedeutet er? Votre nom Alif, qu'est-ce que ça signifie? Comment vous avez trouvé ce nom Alif? Ben, Alif, c'est la première lettre de l'alphabet arabe. Ça signifie aussi attaque libératoire de l'infanterie féministe. Là, pour dire que le groupe, c'est une infanterie qui est là pour défendre les intérêts de la femme, pour que la femme puisse se libérer, pour que la femme puisse aller vers l'avant, parce que dans notre société, dans notre culture, la femme, on dit qu'elle doit rester à la maison, gérer la famille, tu vois. On disait que le rap, c'était un mouvement d'agression. Donc, une fille, si on voit une fille faire le rap, on va te dire que tu es un bandit, tu veux déraper, quoi. Et aussi, c'est les problèmes qu'on a rencontrés au niveau de notre famille, au niveau de notre entourage, les amis, les voisins, tu vois. Et on s'est battu pour leur dire que c'est ce que nous voulons faire. Et puis, il n'y a rien de mal dans ce que nous faisons. C'est notre métier. Ouais, voilà, c'est notre métier et voilà. Et maintenant, les gens, ils comprennent, ils commencent à nous soutenir. On n'a pas de problèmes au niveau de la famille et c'est déjà une bonne chose, quoi. Ici, les gens ne comprennent pas ce que nous disons. Donc, ils sont venus pour voir la scène. Comment on essaie? Parce que nous, on va essayer de visualiser ce que nous disons. Parce que les gens ne comprennent pas. Il faut que dans nos gestes, ils puissent comprendre ce que nous disons. Et voilà donc. Mais au Sénégal, les gens, ils viennent pour écouter ce que tu dis. Donc, la différence se trouve là-bas. Café, 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 café
le rap a une, non seulement une force sociale, mais une force, est devenu une force politique. Donc c'est ça la, c'est ça notre force. Aujourd'hui, c'est le rap qui prend en compte les malaises de la société et qui les dit. Si tu veux écouter, si tu veux savoir ce qui se passe au Sénégal, écoute une cassette de rap. Tu comprendras ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. On parle de nos réalités, on ne va pas parler de gangsta rap ou bien de querelles de gang ou de ghetto. Ce n'est pas notre réalité. On parle, chacun parle de ses problèmes. Donc notre différence, c'est ça. C'est dans le langage, c'est dans la musique. On met de notre culture, des chants traditionnels, on utilise nos langues, on parle de nos problèmes. On met nos instruments traditionnels, que ce soit kora, balafon, djembé. Beaucoup, c'est un mouvement très engagé, c'est un mouvement qu'on écoute beaucoup parce que ça permet aussi de faire des changements. Parce qu'on peut dire que le rap, depuis sa naissance, il a toujours eu un seul concept, dénoncer. Dénoncer ce qui plaît pas, dénoncer ce qui dérange, dénoncer ce qui freine l'édification de la nation. Et ça, c'est très important. Et là, je me dis que c'est grâce à nous, ce sera grâce à nous. Ce sera à nous de changer la situation. Ce sera à nous de sortir du Sénégal du sous-développement. Ce sera à nous d'amener l'Africain à un haut niveau. C'était vraiment, il faut que le système la change. Il faut qu'on aille voter tous. Donc quand tous les groupes se sont mis à dire ça vers 80, de 88 à 92 jusqu'en 2000, ça fait, il y a eu un électrochoc et tout le monde est allé voter en 2000. Beaucoup de jeunes qui sont nés avec le rap, qui ont grandi en tout cas avec le rap, sont allés voter tous pour changer. Donc aujourd'hui, le rap a permis de faire que l'ancien président Abdou Diouf est parti par la force des jeunes qui sont venus tous voter massivement. Aujourd'hui, le président qui est en place, qui s'appelle Abdoulaye Wade, dit lui-même que s'il est au pouvoir, c'est les jeunes qui l'y ont mis, c'est les jeunes qui sont allés voter. Donc le rap a une, non seulement une force sociale, mais une force, est devenu une force politique. Eh les gars, de ramener la scène sénégalaise, toute la crème de la scène sénégalaise, right. Tous les rappeurs qui viennent de d'autres pays africains, tout ça, l'union, le panafricanisme par rapport à ce qui se passe au pays, en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, ce qui commence à se passer en Centrafrique, tout ce qui se passe là-bas, je pense que tout ça, ça nous regarde tous. Vous êtes la jeunesse, c'est vous, c'est à vous que va appartenir ce pays plus tard. Donc le message doit passer. Est-ce que vous êtes une jeunesse consciente? Est-ce que vous êtes prêts à vous unir? Vous êtes prêts au panafricanisme avec nous? Est-ce que vous êtes prêts à militer? Tout le monde les mains en l'air, comme ça, le poing en l'air. Est-ce que vous êtes là? Vous avez compris le message? Africa, unité, liberté, pour finir ce morceau, pour finir ça. On va finir avec ça. Vous êtes prêts? On va chanter avec moi. Les images qu'on a l'habitude de montrer de l'Afrique, c'est juste que l'Afrique c'est un continent loser, que c'est des maladies, c'est la guerre, c'est la corruption, etc. Ou bien c'est une girafe, un éléphant, etc. On a envie également de montrer un autre visage de l'Afrique qui veut dire qu'il y a la belle vie, les gens ont envie de vivre, il y a l'espoir, c'est l'hospitalité, c'est la vie, c'est la chaleur humaine. Donc et ce sont des vraies réalités, ce n'est pas une fiction. Peace out.
mais c'est un combat dur, on le reconnaît. Il faudra commencer, préparer les petits frères, les petits fils, les enfants à avancer. Maintenant, le développement du continent africain, c'est un combat de génération. On va veiller à ce que notre génération le fasse très bien, préparer la génération future, nos enfants, nos petits-enfants ou nos petits frères, à également œuvrer en ce sens-là, et je pense que ça pourra aller mieux. Nous avons aussi cette astuce de jouer le rôle de contre-pouvoir. Donc nous sommes là pour mettre certains dirigeants et que les rappeurs sénégalais ou guinéens ou en tout cas les rappeurs d'Afrique sont plus engagés que jamais pour le développement de l'Afrique. Donc un rappeur au Sénégal ou en Guinée ou au Burkina Faso, c'est comme un ambassadeur de son peuple qui est là pour représenter son peuple aussi bien qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur.